Un dernier limitement. Vianney. Ah, mais c'est trop dur. I have... Ah. Bonjour, c'est le début de soirée. Bonjour, c'est le début de soirée. On va faire la petite version acoustique de Santiano parce que on est lundi et que le morceau est sorti vendredi. Donc il faut vraiment qu'on la mette en ligne, cette petite acoustique. Et vu que mon studio n'est pas encore prêt, et bah du coup on va faire la petite vidéo ici. Bonjour Santiano. 18 400 tonneaux. Ok. T'es prête? Ouais. C'est un fameux trois mâts, comme un oiseau, c'est haut. Santiano, si Dieu veut que je parle. C'est pas ça les paroles. 18 nœuds. C'est celui en plus que tout le monde connaît. 18 nœuds, 400 tonnes. Ok. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, c'est Santiano. C'est bon. Voilà. Tiens. Merci. Ah, oui, arrête, rends-le-moi. J'arrête. Sinon, si tu me le rends non, pas, tiens, je... tiens, cette fois-ci. Petite vidéo faite. Moi, maintenant, il faut que je fasse ma voix pour aller dessus. Mixer ça avec la guitare de Louis. Rajouter ça sur la vidéo qu'on vient de faire. Rajouter la version électro derrière. Petite transition et le tour est joué. C'est bon, t'as fini tes bêtises. Oh, she don't mind. C'est qui? She doesn't mind. C'est une caricature. C'est Julien Doré qui chante A Thousand Years. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Damien Rice qui chante celle-là. Beats fast. Color. Non. Ah non, c'est plus. Ah oui? Two, four. It's standing, you stand alone. For a thousand. I love you for a thousand. Est-ce que je peux travailler? Une dernière. Donne un dernier limitement. Vianney. Ah, mais c'est trop dur. Ah, ah. Fast colors and promises. How to be brave. Every day waiting for. Non, mais on dirait un texan carré. Waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. C'est l'attaque du aïe qui t'a fait rire. Aïe. Arrête de te foutre de ma gueule. Donne un dernier. Trop mal au ventre. Une queue de lit qui chante La Bohème. La Bohème. Ouais, La Bohème. T'étais bien avant. Là, il y avait un mix avec Grisophone et Gun. La Bohème. Ça voulait dire qu'on est heureux. Là, c'est Claudio. T'as deviné? Il était bien? Je sais pas. Bah, tu l'as deviné. Ça voulait dire qu'on est heureux. Oui! Oui! C'est bon? Non, mais arrête! Là. C'est un fameux trois mâts. C'est quoi ce bordel? Putain, c'est trop bizarre.
peux pas enregistrer avec ça, je comprends pas d'où ça vient. Je vais essayer dans un nouveau projet pour voir ce que ça donne, voir si ça vient du projet. Ça, c'est pareil. Il y a un truc chelou. Enfin, comme un oiseau, il s'est haut. J'ai rien pu faire parce qu'il y a un souffle de bâtard dans ton micro. Casse pas le plâtre. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? On achète pour 2000 balles de mousse. T'es l'autre. Mais ça, c'est pas censé, normalement. Non, mais... Je pensais que ça avait quand même une relation. Je pensais pas qu'il y avait un son de merde de ouf. Mais si t'as pas les mousses. Ah bah si, mais pourquoi on achète des mousses? Je sais pas, pour améliorer un peu. Je vais enregistrer. Bon, c'est réparé. Là, ton son, il est comme d'habitude. Bah en termes de son, non. En termes de gain, oui. En termes de souffle, oui. Mais le son, il est pas comme d'hab, quoi. Il est moins... Il est plus aigu. Et normalement, c'est pas notable... Je vais enregistrer, on va voir. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau, il s'est haut, Santiano. Putnaise, 18 nœuds. Ok, on va voir ce que ça donne. On est parti pour Reclid et pour Poilo et Traffic Cone Saxman. J'ai écrit un yaourt l'autre jour. Le studio de Louis a à peu près retrouvé le son qu'il devait avoir de base parce que l'autre jour j'ai enregistré un truc sans les mousses, le son était immonde. Du coup là, on devrait avoir un truc un peu plus cool pour Rec. Donc je vais enregistrer ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je vais tester. Coucou bébé. Show you that I can be funny funny. In my head it's only... Alors je veux bien, par contre le son me paraît toujours dégueulasse et ça m'en ouf. Je vais peut-être en mettre l'ancienne ampoule. Hein. Je vais faire le yaourt comme ça, mais après je vais changer l'ampoule parce que j'ai un gros doute. Give me some more. Ça me paraît bizarre. Je vais démonter le micro, j'ai un doute. J'ai enregistré la première idée, mais je vais enregistrer la nouvelle idée avec celui-ci. Ça sera vachement mieux. Alors... Le gain me paraît pas mal. If you don't know... Then I'll let you go. Ah, ah, ah. Ok, j'ai pas encore bien l'idée en tête, mais bon. Je sais pas du tout quand je chante. Est-ce que je le fais un peu folk? Je peux le faire un peu folk, hein. Left here on the ground, there is no hope left around. Ok, donc ça sature à mort, donc je vais refaire en baissant bien le gain. Tube. Je vais essayer de tout faire en voix pleine, mais pour ça, je vais me mettre debout. I needed you so. Baby, let me know if you wanna know that I let you go. Ok, juste essayer le refrain tout en voix pleine. Ouais. C'est la grosse la colle en seringue. C'est vrai. Ouais. Le micro, il a un son dégueu, donc je pense que je vais démonter l'ampoule. Tu vas réussir de remettre l'autre? Bah ouais. That I would let you go. Oh oh ah. Oh ah. Ok. Bonjour, c'est le matin. Bonjour, c'est le matin. On va dire que c'est biologiquement le matin, mais sinon il est le midi. Et on va chez Anthony pour faire nos cheveux, nos décolos, nos coupes avant le tournage de clip lundi, mardi, mercredi. Donc on part en vadrouille. Ouais. On va avoir des beaux cheveux. Je m'endors déjà. Dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Bonjour caméra. Coucou, tu bronzes. C'est beau. Ouais. Un petit bout Tintin. Ça. Tintin. Au Tibet. On est pas mal, non? On est bien, on est nickel. Bien. Oh, bonjour, c'est le matin. C'est tout rose. Ouais. C'est beau. The mac and cheese. On sent que t'étais le veto. T'as tes yeux qui se ferment. Est-ce que t'émerges à quelle heure d'habitude? C'est levé à 11h. Ouais. Ouais, en ce moment on est plus sur... Hier on était à 13h. Ouais, là ça craint. Hier c'était pas bien. Regardez-moi cette coupe de cheveux magnifique. Avec ce beau temps magnifique, ça flash. Ça pète. Viens, soleil, entrez tes beaux cheveux. Oui. Ça pète. Oui. Ça y est, on a enfin terminé. Les deux studios sont tout beaux avec les nouvelles mousses qu'on avait reçues la semaine dernière. On a tout bien mis en place, presque tout décoré. Il reste encore à décorer quelques petits trucs. Et là, Lorraine est en train d'inaugurer mon studio, donc elle est en train d'enregistrer une idée de top line que j'avais trouvée là pour Poilo et Traffic Cone Sax. Et donc là, elle est en train de faire une petite prise. On va écouter aux portes. Because every day is my party, party, ooh yeah, yeah.
rigolo. Je disais que t'étais en train d'inaugurer le beau studio. Oui, j'inaugure le beau studio. Tintin, beau studio. Et voilà, je suis en train de montrer le beau studio. Donc on a reçu aussi les petits trophées qu'on s'était fait pour les concours qu'on a fait et où il n'y avait pas de trophée. Donc voilà, premier prix du kiff. Premier prix 2022 du Fantasy, donc de court-métrage, avec Blade Runner. Et premier prix avec IA 404 en 2019 de l'Ampli West France. Donc premier prix de concert live. Impeccable. Et dans le tout, c'est nickel chrome. Et du coup, il y a les nouvelles mousses. Les nouvelles mousses. J'ai récupéré ça dans le studio de Lorraine. Je les ai mis là. J'ai changé les autres qui étaient trop gros pour des plus petits qui sont plus harmonieux. J'ai refait le plafond aussi avec des anciennes mousses de mon studio que j'ai remis mieux, plus jolies. J'ai récupéré ça dans le studio de Lorraine. Je l'ai mis là. Avant, c'était des mousses moins jolies. Puis ça, c'est nouveau aussi. Nouvelle mousse. Là-bas, nouvelle mousse. Ici, nouvelle mousse. Beaucoup de nouveautés. Ça, c'est réaménagé en haut. Trop bien. Trop content. Et le son est vraiment cool, hein. Ouais. On sent la diff, hein. Punaise. Là, je viendrai avec une piste, je me rends compte que c'est hyper clean. Ah oui, parce que moi, là, rien qu'en parlant, je me rends compte que c'est vraiment beaucoup plus mat qu'avant. C'est trop, trop cool. Voilà, et donc les petites mousses, je les ai mises avec des reliefs différents, parce que déjà, c'est esthétique, et de deux, pour casser tout ce qui est trop symétrique, parallèle. Le son, il aime pas, donc là, ça casse un peu les lignes. Et en plus de ça, bah du coup, là, il y a un bass trap qui est plus fait pour aller choper les basses, plus pour les aigus. Là, c'est un peu entre les deux. Il y a différentes épaisseurs, donc ça filtre un peu tous les sons. Donc, on a un peu tout réfléchi à ça. Ça va être cool. Voilà. Bon, si tu veux parler, tu peux. Je suis en train de faire exactement la même chose que je faisais hier. Parce que hier, je disais en vidéo que j'avais des soucis avec la lampe, que j'allais voir si la prise était trop dégueu pour l'utiliser. C'était vraiment trop dégueu. Le son, il était vraiment pire qu'un son enregistré au téléphone, mais mille fois. Mais largement. Du coup, on a mis une autre ampoule et ça marche beaucoup mieux. Donc je pense que les deux ampoules qu'on avait été flinguées. Ouais. Donc là, ça a marché nickel. Et du coup, en enregistrant, en effet, je me suis rendu compte que le son, il est vachement mieux qu'avant. Il est beaucoup plus mat, donc c'est bien. Rien quand tu parles, là, j'entends. Ouais. C'est ouf. La diff, c'est presque perturbant pour les oreilles. Alors par contre, j'espère que tu vas aimer ça, parce que moi j'ai mis du temps à m'y habituer dans le mien. C'est fou. Ouais. Non mais j'ai pas de soucis avec ça. Au contraire, quand j'écoute de la musique dans ton studio, à chaque fois je me dis, écoute, elle est trop bien. Ouais. Après ça va, tu fais pas beaucoup de mélodine. Moi c'est quand je fais du mélodine et que j'écoute des trucs beaucoup, ça me rend ouf. Tu veux qu'on aille montrer mon studio? Bah vas-y. Puis je ferai mon mélodine en revenant. J'ai tout montré mon beau studio alors qu'il y avait mes chaussettes. Bah oui. Attends deux secondes, remontre-le une fois sans le pantalon. Pou, pipou, 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 pipou. Pipou, 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 pipou. Pou, et cheveux roses pipou, en plus. Et cheveux roses. Pou, pipou, incroyable. Pipou, pipou, je suis trop content pipou. Là de comment il est. Ouais. Allons regarder. Je vois plus rien. J'ai les cheveux trop longs. Attention. Bébé, elle est tellement pressée de voir ton studio. Regarde. Ah, le nouveau studio, il est génial. Voilà, c'est ça que tu veux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Ici bas. Bon. Donc là, l'arrière, vous voyez, bon, comme avant, c'est joli. Ça, c'était déjà joli. Et attention. Tintin, tintin, tintin. Si c'est pas de toute beauté. Petite peinture rose qui va avec petite peinture rose. Le néon qui est tout beau. Là, l'étagère où il y a pour l'instant vraiment pas grand chose. Ah oui. Mon riad satouf qui va aller ici. Je commence à être pas mal en Miss Météo, hein, je te le dis. Quatre nouvelles petites mousses. Et Loulou, il a mis une LED avec un joli profilé, du coup, c'est tout propre. Incrusté. Avec du coup les nouveaux panneaux. Donc les nouveaux bass-trap. Panneaux, donc, qui ressemblent à des panneaux qu'on peut voir partout à Leroy Merlin, sauf qu'ils sont gros. Comme ça, ils du coup. 17 cm. Donc 17 cm de large. Avec dedans de la laine de roche, du bois, voilà, du tissu et puis des lattes, machin. Donc c'est un beau. Voilà. Un beau panneau. Et là aussi. Oui. Quatre panneaux pour les aigus. Et là, on va recevoir un panneau au plafond. Je pense que ça manque. Oui. Parce que là, ton son, il est trop cool, mais on entend qu'il manque encore des billes. Oui. Je pense qu'il manque le truc au plafond. Et clairement, on entend aussi une petite résonance là-bas, vers ici. Et là, on va mettre un ancien panneau que tu avais en bois, la mousse et bois. Pour essayer d'arrêter ça. Et après, nickel, tu vas pouvoir... C'est trop bien, il est trop bien lui. Et du coup, là, on est trop content parce que peu importe comment on filme dans nos studios... C'est beau dans tous les cas. Parce que je vais mettre une photo de comment c'était avant. Ah, t'as fait avant, après? Bah oui. T'as pensé? Moi, j'ai pas pensé. J'ai fait un grand angle de chaque côté. C'est trop bien. Voilà. Il reste un peu de déco. Et ça, c'est toi qui gères. Oui. Un petit meuble ici.
avec l'imprimante dessus. Un petit arbre à chat, peut-être pas. Bah ton micro après, je sais pas si tu le mets là. Je sais pas encore là-bas. Si je le mets là ou là. On a remis la tête dans le script de Le Mauvais Choix parce qu'on tourne le clip lundi, mardi et mercredi. Du coup, pour préciser un peu tout ce qu'on allait tourner, tous les accessoires dont on avait besoin, pour être sûr de rien oublier, là on va aller faire un tour à Leclerc pour aller prendre les dernières bidouilles dont on a besoin. Les lieux, normalement, c'est calé. Et voilà! Et puis aujourd'hui, il fait méga beau, donc on va aller faire un petit tour dehors. Parce que je crois que ça dure jusqu'à demain. Demain, on fait que ça. Hein. Oui. Demain, on fait que du dehors. Demain, on fait que du dehors. Monte tes beaux cheveux. Voilà, c'est tout. Pour le moment. Pour ceux qui suivent les vlogs, il y a plusieurs mois, on avait enregistré le premier single de Brittany Hart à la maison. D'ailleurs, on l'avait beaucoup écouté parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et il y avait du coup une équipe qui était là pour filmer pour un documentaire. Et ce soir, c'est la première du documentaire. Du coup, on a rendez-vous au Majestic à 20h pour la diffusion. Avant la diffusion officielle, après, qui aura lieu sur France 3, il me semble. Mais j'ai pas encore la date. On vous tiendra au courant de la date pour que vous puissiez voir le documentaire. Et du coup, on devrait pas tarder à arriver. Je vais mettre le GPS. Je sais pas si on aura le droit de prendre la caméra dedans. Je sais pas du tout comment c'est. Mais au pire, j'aurai mon téléphone pour faire des images. Viens dire au revoir à la caméra. Au revoir caméra. On te laisse caméra parce que on a trop la flemme de te prendre avec nous, c'est pas gentil. Hein. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est bien. Imagine, on va là-bas, ils me disent « Ah non, il n'y a pas le droit à la caméra. » Du coup, on va filmer au téléphone. Tu es remplacé, caméra. Ciao. C'est pas vrai, je t'aime beaucoup, caméra. Regardez, je vais vous montrer Lorraine qui est bougon quand on est en retard. Qu'est-ce que t'as pas compris, on est déjà en retard. Tu sais, mais on y va. Vous avez vu? Eh ben merci et puis bonne débriefer le documentaire. Eh ben c'était cool, eh ben c'était touchant et c'était joli et c'était bien parce que ça faisait très authentique. C'était plein de bonnes ondes. Et toi? Bah, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Du coup, je suis très très zoomée. Mais ouais, c'était vachement beau. Ils ont vachement bien travaillé. C'est à la fois hyper sérieux parce que ça reste des sujets qui sont abordés qui sont super importants. Donc il y a des parties très sérieuses, fortement, parce qu'il le faut. Et des parties qui sont hyper drôles parce que les filles sont hyper drôles. Ça fait vraiment un super mélange qui donne vraiment envie de s'attacher à ces personnes qui sont super attachantes. Et du coup, ça passe le jeudi 13 mai en deuxième partie de soirée sur France 3 Bretagne. Et on mettra un lien. Et voilà, et on va faire des pâtes. Et du coup, je vais me changer parce que j'ai vraiment pas envie de tâcher cette robe. Ils sont beaux mes cheveux. Ils sont très beaux. J'ai eu des beaux compliments. Moi aussi, j'aime beaucoup mes cheveux. Toi, t'as pas eu de beaux compliments. Je disais, si t'as eu des beaux compliments de moi. Ah oui. Ah oui, j'ai dit que tes cheveux... Quand t'as dit ça? Ah pas... oui, t'as dit qu'ils sentaient bon bah hier oui. soir. Alors que d'habitude, tu dis que je pue après non. les décolos. Ah oui, après les décolos, généralement, ça pue. Bah là, ça sentait là... bon. Mais là, ils sentent trop bon. Oui, mais là, j'ai fait un shampoing depuis. Oui, mais hier, ils sentaient bon aussi. Mais je pense que c'est parce qu'il t'a fait un shampoing qui sentait bon derrière. Mais peut-être. Parce que des fois, t'as la décolo qui pue. Là, ils ça sont sent trop beaux. Bon. Moi, j'ai fait d'ailleurs. Ton, ils sont bons. Ton, tu sais, je sais plus quoi. Oui, le kérastase, c'est bien. Faut dire au vlog qu'on tourne demain. Oui. Quoi? Non, toi tu tournes. Ah, on tourne demain. D'accord. Du coup, on tourne le clip demain, mardi et mercredi. D'ailleurs, hier, on était un peu en stress parce que du coup, la météo est affreuse. Et on n'avait pas de plan B pour notre plan principal qui est le plan live des refrains. Et finalement, juste au moment où on se posait la question, il y a le Sammy Skate Club qui nous a répondu. Du coup, on va tourner chez eux mardi soir. Normalement, ça devrait aller. Pour le peu de plan d'extérieur qu'on a, je pense qu'on va réussir à passer entre les gouttes. Ouais, j'avoue que notre shop, il y a un extincteur, un gilet pare-balles, du ketchup, une bouteille de lait. Tout prendra sens, c'est normal. Et on a hâte de tourner. Et suite au prochain épisode. Pom 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 pom.